Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je salue Ben, je vois Labert, j'ai Chai Angel et Toff du Nord aussi sur le chat. J'en profite parce que Toff a mis une question sur le Discord, donc comme d'hab. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le truc, je vous mets le lien parce que bah, demain, je le rappellerai en fin d'émission pour ceux qui arrivent un peu plus tard, on a la chance d'avoir comme invité Nicolas Fritsch. Donc pour ceux qui ne pourront pas être en direct avec nous demain à 14h, n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord, il y a un petit salon, vos questions pour Nicolas Fritsch. Et je remercie donc Toff et je crois que c'est Fabio aussi qui a mis des questions pour Nicolas. Donc n'hésitez surtout pas, si vous ne pouvez pas être présent demain après-midi, je prendrai vos questions qui sont notées et bien entendu je les poserai à Nicolas lors de l'émission. Aujourd'hui je m'étais dit que c'était pas mal si on pouvait parler de Total Energy, de faire un petit bilan de la saison 2022 de Total Energy et aussi un petit point mercato. Alors je pense qu'on va commencer par le mercato, comme ça on va se débarrasser du sujet, puis ensuite on va pouvoir se focaliser sur le bilan de la saison de Total Energy. Je sais que vous êtes nombreux à être assez fans de l'équipe, donc on va pouvoir en parler, prendre un petit peu de temps pour évoquer décidément la formation française. Donc on va commencer par le mercato, comme je l'ai dit, quelques infos à vous donner rapidement. Andrea Garozio donc rejoint Eolo Cometa pour la saison prochaine. On a annoncé aussi que le team DSM sera au départ d'une course, d'une épreuve de points au Portugal, la Figueira Champion, à partir de la saison prochaine. La course aura lieu début février. Siriza, on en avait parlé hier, donc on est bon là-dessus. Et la dernière info mercato que j'ai eue, moi, elle concerne Total Energy et AG2R. Donc la première AG2R. Je me posais des questions par rapport à la situation d'Anthony Julien et le fait qu'aucune prolongation n'ait été annoncée pour le coureur français qui était plus ou moins là sans solution à la fin de la saison. Donc j'ai posé la question à G2R et j'ai eu une réponse. Anthony Julien, pour l'instant, il n'est pas prolongé, mais si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, rien n'est définitif pour l'instant. Donc il y a encore une petite possibilité pour Anthony Julien d'avoir un contrat la saison prochaine. J'imagine que ça dépendra peut-être d'autres coureurs aussi, mais en attendant, ce qu'on m'a dit chez AG2R, c'est que la porte n'était pas complètement fermée pour Anthony Julien. Il y aura peut-être une petite opportunité de fin d'année là, pour le français. Une autre info, parce que je vous l'avais dit, je crois que c'était hier ou vendredi, je ne sais plus exactement, mais on avait évoqué la possibilité d'une arrivée d'Axel Laurence chez AG2R, ou d'un intérêt en tout cas d'AG2R pour Axel Laurence, le coureur français qui est archi-talentueux et qui est pensionnaire de la BNB. Je vous avais dit qu'on avait vu Vincent Lavenu discuter avec Axel Laurence pendant le cyclocross de Camors. J'ai contacté AG2R pour être tout à fait transparent, je leur ai posé la question et je vais vous donner la réponse que j'ai eue, si je la retrouve sur le site. Donc il n'y a pas de discussion avancée entre AG2R Citroën et Axel Laurence à ce jour. Alors je trouve que cette information elle est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de guillemets mis dans cette citation. Il n'y a pas de discussion avancée, ça veut dire que peut-être qu'on discute quand même un petit peu finalement, mais ce n'est pas non plus dans un état très avancé. Et on rajoute quand même à ce jour, donc ça veut dire qu'on prend quand même beaucoup de précautions
pour dire qu'il n'y a pas pour l'instant d'accord ou de négociation en cours entre AG2R et Axel Laurence. Donc quand je lis ça, je trouve que c'est quand même beaucoup moins catégorique que ce que j'ai reçu par rapport à Nairo Quintana quand j'avais demandé s'il y avait une chance qu'il rejoigne AG2R. Là, la réponse est vraiment différente. Donc je pense qu'il y a quand même quelques possibilités pour que Axel Laurence soit très demandé. Vous vous souvenez qu'Antoine Vaillé a parlé d'un intérêt de Total Energy. J'imagine qu'il était bien informé sur le sujet. À vrai dire, moi, j'ai pas eu de confirmation de Total. Mais on sait qu'il y a Ineos qui est aussi sur le coup. Apparemment, il y aurait d'autres grosses formations qui seraient aussi intéressées par la venue d'Axel Laurence. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ce que nous dit la AG2R, ça correspond également à ce qu'a évoqué Jérôme Pinault, c'est-à-dire que voilà, il savait plus ou moins qu'il y avait quand même des gens qui s'intéressaient à ces coureurs, ou aux plus connus en tout cas, donc tout ça confirme un petit peu ce qui se passe et on verra bien ce qu'il en est dans les jours et dans les semaines à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Axel Laurence, il est très très courtisé. Donc on verra bien où est-ce qu'il atterrit, soit cette année, soit l'an prochain. Je vais prendre vos questions maintenant rapidement et puis après on va aller sur le bilan de l'équipe Total Energy. Salut Seb, tiens, qui nous rejoint sur le chat. Le programme de Mathieu Van Der Poel est tombé aussi. Tiens, on va en parler si vous voulez, parce que ça va compléter un peu notre focus d'hier sur le cyclocross. Hasard du calendrier, l'info est sortie quelques heures, je crois, après l'émission, ouais, 15h45, donc 1h30 après. Donc le programme de Van Der Poel, on l'a évoqué pendant l'émission hier, les gars, Hulst, la manche de Coupe du Monde. Ensuite, une épreuve de super prestige à Boom le 3 décembre. On va à Anvers en Coupe du Monde le 4. On va à Val d'Isole en Italie le 17. Ensuite, Mol, Gavere, Zolder, Diegem, Loenhout pour la fin d'année 2022. Puis début janvier, Herentals, Coxide, Zonhoven, Benidorm. Et enfin, les championnats du monde le 5 février à Hoegereid 2. Donc voilà pour le programme de Mathieu Van Der Poel qui est quand même assez copieux sur le papier. Donc on verra bien ce que ça donne. La verte, très bonne nouvelle pour Anthony. Ouais, mais c'est pas fait, hein. Par contre, il faut vraiment prendre des pincettes par rapport à ça. Mais je suis d'accord, c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où c'est pas complètement terminé pour Anthony Julien, quoi. On ne peut pas se dire là, c'est fini. C'est sûr qu'il ne sera pas prolongé. Il y a une chance, je pense, et c'est un avis très personnel, que sa situation est liée à une possible arrivée d'Axel Laurence, comme chez Total Energy. Le fait qu'on soit que 25 coureurs pour la saison prochaine, c'était aussi lié à une possible arrivée en provenance de BNB Hotel, donc ça va très vite se décanter. Je pense, Ben nous dit, la manche de Besançon ne séduit pas les stars de la discipline, ouais, c'est vrai. Il n'y a que des rumeurs sur Laurence parmi les coureurs de la BNB. Ouais, je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'autres, mais de toute façon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres coureurs qui sont bankable, je pense, chez BNB. Donc, ça paraît compliqué d'aller chercher quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment, de mettre la main au portefeuille pour aller chercher quelqu'un d'autre. Mais on verra ce qu'il en est. De toute façon, je crois qu'il y avait normalement, si je ne dis pas de conneries, un rendez-vous de Jérôme Pinault. On en a parlé hier. Le 21 novembre, c'était ça, à savoir si la date est donnée correcte ou pas, mais c'était censé être le 21, l'un des rendez-vous de Jérôme Pinault. Jeschai Angel Van Aert a annoncé qu'il visait que l'arc-en-ciel en cyclocross, il veut être à égalité avec Van Der Poel en nombre. Moi, je crois que son programme est plus léger, effectivement, à Wout Van Aert, et on verra bien lequel des deux s'impose, à moins qu'il y ait une surprise, hein, avec Pidcock, mais je ne suis pas sûr que Pidcock aille sur les mondiaux, il me semble avoir lu ça. Donc, on verra bien. La suite, donc, la suite, c'est le bilan 2022 de l'équipe Total Energy. Tac, on l'a publié hier sur le site. C'est moi qui l'ai fait, donc c'est moins complet que ce que fait Cyprien, malheureusement, parce que Cyprien est beaucoup plus complet que moi. Il a beaucoup plus le temps de faire ce genre d'exercice. Et c'est super, franchement, ce qu'il fait, je le remercie. Donc, bilan de Total Energy. On a noté avec les gars 13,17, donc c'est plutôt une bonne note. Moi, je crois que j'avais mis plus, parce que je trouve que l'objectif, il est là, c'est-à-dire d'atteindre ces deux premières places du classement Pro Team, ce qui est fait, puisque Total Energy termine devant Israël et derrière Lotto, donc elle est bien deuxième et qualifiée pour les trois grands tours de la saison 2023. A noter que Lorenzo Manzin a peut-être vendu un petit peu la mèche quant à une non-participation au Giro, parce qu'il a dit qu'il n'y avait que deux grands tours, grosso modo, l'an prochain pour Total Energy. La Vuelta et le Tour de France, donc à voir si c'était une erreur de sa part ou si il a involontairement pardon, vendu un peu la mèche comme je le disais, mais j'ai l'impression qu'on s'orienterait quand même vers que deux grands tours
pour Total Energy. Pour rappel, ils avaient déjà fait l'impasse sur le Giro, c'était en 2020. Donc comme je l'ai dit, 13,17, 17e au classement UCI, ça c'est un élément intéressant parce que ça veut dire que si le maintien ou la montée en World Tour s'était joué que sur la saison 2022, Total serait l'an prochain en World Tour. C'est pas le cas parce que ça se joue sur 3 ans, mais ça montre quand même que pour une formation Pro Team, il y a eu une belle densité dans les résultats et une belle accumulation de performances, parce que 17e, il y a 18 équipes en World Tour, ça assurerait largement non, mais ça assurerait la première division pour Total. Donc comme je l'ai dit dans l'émission qu'on a fait un peu pour la projection sur les années à venir, elle sera parmi les candidates à une accession en World Tour dans 3 ans pour la prochaine séquence. 14 victoires au total, c'est pas mal. C'est pas mal, sachant qu'on n'a pas non plus de sprinteurs de premier plan, même s'il y a Peter Sagan ou Bonifazio, mais c'est pas non plus des coureurs qui sont capables de rivaliser avec les Jakobsen, les Groenewegen, etc., etc. Donc c'est plutôt bien, je trouve, 14 victoires pour une formation pro-team. On va aller sur ces succès rapidement, d'ailleurs, juste pour dire qu'il y en a quand même pas mal en World Tour. Et ça, c'est bien pour une équipe pro-team d'avoir 4 succès en World Tour. Alors, bien entendu, c'est 4 succès d'étape, parce qu'on ne va pas s'attendre à aller claquer une grande classique du calendrier ou bien un Tour de France, mais 4 succès en World Tour, je trouve que c'est très bien et c'est un beau ratio pour l'équipe de Jean-René Bernodeau. Le coureur, j'ai noté Peter Sagan. Peter Sagan, pourquoi? Parce que même s'il n'a pas été parfait sur le plan sportif, il a vraiment, pour moi, fait rentrer Total Energy dans une autre dimension. Et avec l'apport de ses sponsors, que ce soit Specialized, Sportful ou autre, vraiment médiatiquement, il a apporté beaucoup de choses, je trouve. On faisait le point là il y a quelques semaines sur les équipes les plus populaires au niveau français sur les réseaux sociaux, et on voit qu'il y a un vrai bond sur Instagram ou sur d'autres supports. Je crois qu'ils se sont foutus sur TikTok aussi, Total Energy. Donc on a un peu rénové l'image de Total Energy, qui avait parfois l'image d'une équipe qui était plus... peuplé par des soixantenaires, enfin en tout cas au niveau de ses supporters. Enfin, avant, moi j'avais cette impression-là, et là j'ai l'impression qu'on a donné un petit coup de jeune sur la communication avec l'arrivée de Sagan. On parle beaucoup de Total Energy, on en a beaucoup parlé, et c'est plutôt une bonne chose, je trouve, pour l'équipe, parce qu'il y a un vrai gros coup de lumière qui est mis, un vrai gros coup de projecteur plutôt, pardon. Et sur le plan sportif, comme je l'évoquais, tout n'est pas acheté pour Peter Sagan, parce qu'il y a 7 victoires en World Tour sur le Tour de Suisse, ce qui est déjà pas mal, et surtout un top 10 sur la course en ligne des championnats du monde. Alors vous allez me dire que Sagan portait le maillot de sa sélection nationale, mais quoi qu'il en soit, les points sont allés à Total Energy, et vu comment c'était serré avec les autres équipes pour les deux places en Pro Team, c'était des points qui étaient forcément bienvenus pour Total et pour Peter Sagan. La surprise, et puis après je vais aller sur vos questions et vos réflexions. Alors la surprise, c'est Dries Van Gestel. On en a parlé quand on a fait l'émission avec Gaëtan sur Rivals Manager. Moi, j'aurais jamais pensé à Van Gestel, et c'était une super pioche cette année pour tous ceux qui l'avaient dans les jeux, mais aussi et surtout pour Total Energy, parce que c'est quand même un petit peu plus important que les jeux. Franchement, il m'a bluffé. Il était très très performant, très régulier. En dehors du fait qu'il a bien scoré, moi j'aurais pas du tout mis un seul centime sur le fait que ça soit le meilleur scoreur de son équipe. 1143 points, plus de 1000 points, c'est assez énorme pour un coureur que vous avez recruté à vraiment pas cher, même s'il était quand même assez prometteur. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur marqueur de Total Energy en 2022, plus que Sagan, plus que Turgis, plus que Latour, plus que Burgodo, etc., etc. Donc vraiment une très très belle performance, une très belle saison pour Van Gestel, qui devra confirmer la saison prochaine, parce qu'on le sait, forcément, la saison la plus difficile en général, c'est la saison de la confirmation. Vos questions maintenant. Toff nous dit, j'ai bien aimé leur saison avec des résultats en World Tour, effectivement. J'attendais plus sur Sagan, personnellement. Oui, par contre, sur le plan sportif, clairement, on pouvait s'attendre un petit peu plus de la part de Peter Sagan. Surtout en première partie de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez du tour des Alpes-Maritimes et du Var, du tour La Provence, etc. Toutes ces épreuves françaises où il paraissait vraiment en gros surpoids, Peter Sagan, où il était largué, c'était retransmis sur la chaîne L'Équipe, je crois, dès les premiers kilomètres des courses. Donc moi, sincèrement, je ne donnais pas très cher de la peau de Peter Sagan en début d'année. Il a réussi à se remobiliser, à remporter une victoire d'étape sur le Tour de Suisse, mais clairement, l'année prochaine, on attend, sur le plan sportif, j'imagine, un autre Peter Sagan.
qui permet encore de franchir un palier à Total, parce que normalement Peter Sagan, même en méforme, il doit passer largement les 1000 points au classement UCI, et il doit vraiment être un moteur à ce niveau-là pour Total, hein, qui aura besoin d'être dans les 18 premières pour se battre pour cette fameuse accession en World Tour. Seb, ouais, très bonne saison, surtout de Van Gestel, exactement, c'était le meilleur coureur de l'équipe cette année. Pour Sagan, il y avait une réelle attente sur les Flandriennes, effectivement aussi, on l'attendra du coup l'an prochain. Covid long aussi, je crois qu'il y a eu un petit souci dans ce genre-là. Il a été mal, mais je parle des objectifs de base. Oui, les objectifs de base, ils n'ont pas été atteints sur le plan sportif pour Peter Sagan, à part la victoire sur le Tour de Suisse et ce top 10 sur les mondiaux, où c'était clairement pas, c'était clairement en dessous des attentes. Je voulais parler aussi d'un autre coureur, parce qu'il a été très bon et il ne figure pas dans les dates. Il n'a pas gagné cette année, mais je vais aller le chercher quand même. C'est Anthony Turgis. Anthony Turgis, il est là. Il fait quand même une très belle saison, je trouve. Avec notamment pour Point d'Orgue une deuxième place sur Milan-San Remo. Ce qui est quand même assez impressionnant. 13e du Grand Prix E3. Après, ça a été plus compliqué sur les Flandriennes. Mais 10e des Boucles de la Mayenne. 2e du Championnat de France. 3e de la Polynormande. En fin de saison, on l'a un petit peu retrouvé avec quelques places d'honneur, mais franchement, il y a quelques très très beaux coups d'éclat pour Anthony Turgis, dont cette fameuse deuxième place sur Milan-San Remo. L'an prochain, on attendra peut-être un petit peu plus de consistance pour le Français, qui a été quand même moins bon sur certaines courses, mais je tenais quand même à souligner ses belles performances, et notamment cette deuxième place, cette fameuse deuxième place sur Milan-San Remo, derrière Matej Mohoric. Pour les dates, qu'est-ce que j'avais noté pour les dates? La première. Ouais, j'ai mis des trucs que j'avais pas aimé. Pourtant, j'étais plutôt positif sur le bilan de Total Energy, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont déplu, notamment dans la communication et dans les actions. Et la première, c'est Kigali. Alors je sais que ça fait pas du tout l'unanimité, mon point de vue, donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi il n'y a pas le match? Je sais pas de quel match tu parles, donc n'hésite pas à préciser. Peut-être que tu as confondu avec une chaîne de foot, c'est bien possible, mais non, on est sur Total Energy et du cyclisme. Donc oui, Kigali, parce que j'ai pas du tout aimé cette 7e étape du Tour du Rwanda. Moi, je suis vraiment pas fan du tout des petits arrangements. Je trouve que c'est très bien pour les critériums. Alors, on pourra me rétorquer que c'est qu'une petite course et que c'est peut-être pas important, mais je trouve que c'est justement pas faire honneur au Tour du Rwanda, qui est une épreuve de classe 1, qu'elle mérite d'exister. Et qui mérite mieux, je trouve, que tes petits arrangements comme ça dans les bagnoles de directeurs sportifs pour faire gagner un coureur rwandais sur son tour national. Moïse Mugisha, c'est un très bon coureur, hein, c'est pas le souci, mais il n'avait pas le niveau ce jour-là pour résister à Dujardin et Geniez. Ils l'ont clairement laissé gagner parce qu'on leur a demandé, je pense, tout simplement. Ils ont apporté absolument aucune opposition. Ils étaient d'ailleurs très contents de voir Mugisha s'imposer. Alors certes, c'est une belle histoire, certes, ça fait des belles images, mais voilà, moi, je trouve ça très gênant. Je trouve ça aussi gênant pour un aspect qui n'est pas du tout sportif. Je ne sais pas si c'est lié, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ça amène à interrogation et à questionnement. Total Energy a des intérêts économiques au Rwanda. Donc voilà, rien que pour ça, ça ne me plaît pas du tout de voir deux coureurs d'une équipe et d'un sponsor qui a des intérêts financiers dans un pays laisser la victoire à un coureur justement du pays en question pour faire bien et pour vendre une belle histoire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Moi, j'aime beaucoup quand ça se passe vraiment sur le plan sportif, à part bien entendu pour des cas de figure comme, souvenez-vous, Laurent Gelabert et c'était Berdit, je crois, sur les routes de la Vuelta. Il rattrape dans les derniers mètres, il laisse gagner, là d'accord, mais là c'était pas du tout le cas, on n'était pas du tout là-dedans. Je crois que Geniez était tout seul en tête, ou c'était Dujardin, l'un des deux, et il ralentit la cadence exprès pour que l'autre revienne. Donc bon, enfin, c'est pas du tout le même cas de figure, et je suis vraiment pas fan de ça. Je sais que mon point de vue est pas du tout majoritaire, mais j'aime pas du tout. Mais par contre, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, et je crois que vous l'avez apprécié aussi. C'est Paris-Nice. Paris-Nice et la super victoire de Mathieu Burgodeau à Aubagne. Moi, sincèrement, j'avais du mal à y croire. J'ai cru qu'il allait être repris. Là, quand je me remémore un petit peu les images de la course, et je pense qu'on est très nombreux, comme je l'ai écrit, à avoir vibré, à avoir poussé Mathieu Burgodeau pour qu'il s'impose sur cette 6e étape de Paris-Nice. Franchement, c'était un des moments forts de la saison, je trouve. Pourtant, je ne suis pas plus fan de Total Energy que ça, hein, mais je crois que c'était un beau moment. Moi, j'aime beaucoup
quand les échappés résistent au peloton. C'était pareil hein, pour les Gazprom et Vasek sur l'UAE Tour où ils avaient trop joué au con le peloton. Moi j'aime bien quand ils se font avoir une fois de temps en temps. Et là j'ai beaucoup aimé dans le même genre ce qu'a fait Mathieu Burgaudeau et sa victoire sur les routes de Paris-Nice. Je pense à Noé notamment qui est fan de l'équipe. Total Energy, et je crois que c'est un des moments où il a vraiment pas mal vibré aussi. Pour la suite, c'était Geniez. Ça, c'était le deuxième moment que j'ai pas du tout aimé chez Total Energy. C'est cette affaire Alexandre Geniez et la communication très très minimale de Total sur le sujet. Je rappelle que il avait été jugé coupable dans une affaire de violence conjugale, Alexandre Geniez, et que du coup, on a un peu botté en touche du côté de Total. On a attendu très très longtemps avant de communiquer sur la fin de son contrat, comme un accord qui avait été trouvé au mois de juin. Sa dernière course, ça a été le Tour du Rwanda. Il s'est imposé d'ailleurs sur ce Tour du Rwanda. Mais j'ai pas du tout aimé la gestion de ce cas-là du côté de Total Energy. Ça me fait penser un peu, même si c'est pas le même sujet, à Arkéa par rapport à l'affaire Quintana. Je trouve que parfois, à pas communiquer et à faire le minimum syndical, on se donne pas une très belle image. Donc, j'avais trouvé ça un petit peu dommage. Bref, retour au sportif. Parce que sur le plan sportif, il y a eu des trucs vraiment sympas chez Total Energy cette année, comme je le disais. La quatrième date, donc c'est Gap, c'est le critérium du Dauphiné. Parce que c'est là où Valentin Ferron s'est imposé. Valentin Ferron, c'est pas le coureur le plus connu du peloton. Et il a réussi à s'imposer, il a sortir d'un petit groupe de 6 dans le final de la sixième étape. Et franchement, bravo à lui, parce que c'est une très belle victoire de prestige. Et ce qui est d'autant plus important, et ce pourquoi j'ai retenu cette date chez Total Energy, c'est parce que ce succès, il fait suite à celui d'Alexis Villermoz. Donc quand vous êtes pro-team, que vous allez sur un critérium du Dauphiné et que vous allez claquer deux étapes, franchement, je trouve que c'est une super performance. Donc vraiment bravo aux coureurs de Total Energy. Après Paris-Nice, une deuxième épreuve du World Tour réussie avec le Dauphiné. Ça fait trois victoires sur les deux courses françaises par étape du calendrier World Tour. Enfin, je mets de côté, bien entendu, le Tour de France. Mais voilà, c'était une super perf et franchement bravo. Et ce qui était aussi intéressant, je trouve, sur ce mois de juin, et je ne l'ai pas noté, c'est que dans le même temps, sur le deuxième front, Total Energy allait gagner en Suisse sur les routes du Tour de Suisse. Donc c'est plutôt très costaud, je trouvais très consistant pour une pro team de claquer deux étapes sur le Dauphiné et en parallèle d'aller gagner et lever les bras sur le Tour de Suisse. Donc c'était vraiment un moment important, je trouve, de la saison de Total Energy. Et la dernière date que j'ai retenue, comme pour beaucoup d'équipes et comme je l'ai écrit, c'est le 16 octobre. C'est la date de la délivrance officiellement, parce que c'est le moment où, justement, on était sûr et certain, même si mathématiquement on l'était un petit peu avant, on était sûr et certain de faire partie de ces fameuses deux premières équipes de Pro Team, ce qui donne accès aux invitations sur les trois grands tours de la saison suivante. Donc le jour de la délivrance pour Total Energy, qui était tranquille, qui avait sa deuxième place assurée, et elle ira bien, si elle le souhaite, comme je l'évoquais en introduction, sur les trois grands tours de la saison 2023. On parle de Pierre Latour. On va parler un petit peu des autres coureurs, en effet, parce qu'il y a eu quand même quelques déceptions, je trouve, au niveau de l'équipe Total Energy, même si ça n'a pas été écrit dans le papier. Il y a des coureurs qui n'ont pas levé les bras. Je vais aller sur les succès. Tac, dont Pierre Latour. Effectivement, dans les satisfactions, j'aurais pu parler de Julien Simon, parce que franchement, Julien Simon, il fait une super année 2022. Il a remporté pas mal de succès. C'était un coureur qu'on pouvait penser qu'il était sur la pente descendante, et finalement, il a vraiment brillé cette année. Il remporte aussi, je crois, la Coupe de France. Parmi ceux qui ont levé les bras, il y a Bonifacio, même si Bonifacio n'est pas prolongé la saison prochaine. Dujardin, je l'ai évoqué sur le Tour du Rwanda également. Mais Pierre Latour n'a pas gagné. C'est pas le seul coureur majeur de l'effectif hein, à ne pas avoir gagné. Boissenhagen ne s'est pas imposé non plus. Je vois que Rodriguez n'a pas gagné. Turgis non plus, mais on en a parlé tout à l'heure. Et puis c'est à peu près tout hein, parmi les coureurs majeurs, ceux qui n'ont pas levé les bras, si je ne dis pas de bêtises. Pierre Latour, il n'a pas retrouvé son niveau. Et c'est vrai que Pierre Latour, on est loin du coureur qui était capable de briller sur les routes du Tour de France. Je suis assez d'accord avec ça. Pas mal de chutes et de pépins aussi pour Turgis, je suis d'accord avec toi, Seb. Effectivement, ça a été parfois compliqué. Et on va aller sur le mercato pour finir ce bilan de l'équipe Total Energy.
2023, parce que sinon je vais raconter n'importe quoi si je me base sur 2022. Donc vous voyez, il y a pas mal de départs. Parmi ceux qui ont trouvé une porte de sortie, d'ailleurs Manzin n'est pas libéré parce qu'il a donné une interview, comme je l'ai dit, où il évoquait 2023, donc il sera bien dans l'effectif. Parmi ceux qui vont partir, donc il y a Christian Rodriguez qui a signé chez Arkéa, Bonifacio, ça on en est sûr, et je crois qu'il y a Loles aussi qui s'en va. Bon, Genièse, c'est terminé, mais tout le reste c'est prolongé, hein. Je crois que ça a été dit dans l'article de West France pour Burgodo, Doubet, Ferron, etc. Donc Terpstra, fin de carrière, je crois, en retraite, il me semble, ou alors il va chez Beat Cycling, je sais plus, je crois qu'il va dans une Conti. Vous allez me le dire, hein, peut-être sur le chat, je me demande si c'est pas une Conti l'an prochain. Bref, au niveau des arrivées, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est Jason Tesson. Jason Tesson, il a quand même vachement brillé cette année sous les couleurs de Saint-Michel-Aubert 93. Il a remporté pas mal de succès et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner à l'échelon supérieur. Je trouve ça assez intéressant. Relancer Steph Crass, ça me plaît pas mal aussi. Et derrière, aller signer trois des bons coureurs du Vendée-U cette année, c'est aussi intéressant. Donc c'est pas un recrutement archi clinquant comme celui de l'an passé avec Sagan, etc. Mais je trouve que c'est un recrutement intelligent qui va faire gagner de la densité à l'équipe. Jason Tesson, ça devrait ramener pas mal de points. Et Steph Crass, ça devrait être un atout si jamais il n'est pas gêné par les pépins sur les différentes courses par étape. Donc le recrutement me plaît pas mal. Le frère de Sagan va à la retraite aussi. Exact. Exact, exact. Fin de carrière pour Terpstra. Je crois que c'était Beat Cycling, mais non, finalement, c'est fin de carrière. Merci Seb pour la précision. Et la tour où il y a un petit souci, effectivement, au niveau des descentes. Tiens, je vais aller voir sur le site de G8 Vélo, parce que pour les 10 coureurs, je ne me rappelle plus qui était dedans. Comme je vois que vous en parlez. Ouais, je vois qu'il y avait. Ouais, Rodriguez n'était pas dedans, donc à la limite, c'est moins grave. Bonifacio n'est peut-être pas dans les 10 coureurs, exact. Ce qui peut paraître surprenant pour un sprinter, mais ça fait vraiment très peu de points, 149 points pour Bonifacio. En effet, c'était pas terrible. Donc finalement, on ne perd aucun des 10 meilleurs scoreurs de l'effectif, si je ne dis pas de conneries. Et on va récupérer un Jason Tesson. Je ne sais pas combien il avait de points, Jason Tesson, cette année au classement UCI. Je vais aller voir sur le site de l'UCI. Tac, Jason Tesson. Il avait 352 points, Jason Tesson. Donc il aurait largement intégré enfin largement non, mais il aurait intégré le top 10 de Total Energy. Et on peut imaginer qu'avec un calendrier de course conséquent, 352 points, je crois que c'était. Oui, c'était 306, donc il aurait été 9e scoreur de la formation Total Energy. Donc je pense qu'en plus, avec un calendrier intéressant, il aura forcément un petit peu plus de points la saison prochaine. Pour la suite, puisqu'on arrive au terme de cette émission, je vous donne les rendez-vous et je le rappelle pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Demain, on a la chance d'accueillir Nicolas Fritsch. J'ai oublié de vous donner une info tout à l'heure d'ailleurs. Bref. Oui, donc demain, Nicolas Fritsch. J'ai pas une nouvelle d'Edouard Bonnefoy, donc peut-être qu'il va être en stage, mais s'il est en stage, on fera ça la semaine prochaine avec le coureur de l'équipe de Nice. C'est pas très grave, on n'est pas à une semaine près. Samedi, vous avez quiz avec Cyprien, et bonne nouvelle, puisque je peux enfin vous donner le nom, enfin, ça fait pas non plus trop longtemps, mais je peux vous donner le nom de l'organisateur qui participera à une émission avec nous et Patrick Chassé. Donc c'est Pierre Guéné, l'organisateur des Boucles de la Mayenne, qui a accepté de faire une émission avec nous pour évoquer un peu la vie d'un organisateur d'une course cycliste. Et Patrick Chassé sera là aussi pour l'interroger et aussi parler d'un point de vue du diffuseur télé et puis d'un connaisseur quand même du milieu, parce que Patrick, ça fait quand même un petit paquet d'années qu'il est là et il connaît le milieu comme sa poche, donc il aura plein d'infos aussi, plein de questions pertinentes, plein de remarques. Donc c'est moi qui animerai tout ça et Patrick et Pierrick pourront échanger ensemble sur l'organisation d'une course cycliste, comment ça se passe au niveau de la télé aussi, parce que Patrick forcément est au courant de tout ça. Donc on fera une belle émission, je pense, d'un peu plus d'une heure sur le sujet. Et je vous redonnerai la date, bien entendu, mais ce sera forcément durant le mois de décembre. Donc voilà pour les infos. Je pense que j'ai à peu près été complet. Donc demain, Nicolas Fritsch, c'est ça le prochain rendez-vous. Et surtout, si vous ne pouvez pas être présent, comme Toff ou comme Fabio, vous pouvez lui poser vos questions sur le salon Discord. Je vais vous remettre le lien du Discord si jamais vous n'étiez pas là en début d'émission. Donc n'hésitez pas
Allez y faire un tour. On aura la chance aussi, tiens, c'était ça la dernière info que je voulais vous filer, pour tous ceux qui jouent au jeu sur le forum, qui connaissent Pagliorba, il m'a mis un message hier, il m'a dit qu'il était partant pour faire une émission avec nous sur les jeux en janvier. Donc c'est plutôt cool parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait vivre le forum grâce à tous les jeux qu'il organise, et je trouve ça vraiment très très sympa de pouvoir échanger avec lui sur le sujet. J'imagine que sur cette émission-là, on demandera à Seb aussi, à Katmapay, d'être là, parce que Seb, il joue, je sais qu'il y a beaucoup de jeux, puis il connaît bien l'ami Pagli, donc on fera un petit truc ensemble, mais ça pourrait être très sympa, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Je vous donne rendez-vous demain à 14h avec Nicolas Fritsch, et en attendant, je vous souhaite une excellente après-midi, prenez soin de vous, et à demain, ciao!